Dans notre agence Pôle emploi, comme dans toutes celles de Guyane, on reçoit régulièrement des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de qualification reconnue, qui ont des difficultés en français et dans les savoirs de base comme la lecture, l'écriture. Donc on leur conseille de faire un apprentissage du français via le Préfob pour être plus à l'aise dans leur vie quotidienne et aussi dans leur recherche d'emploi. Les personnes que l'on reçoit sont motivées pour suivre les formations du Préfob. Régulièrement, il y a des demandeurs d'emploi qui viennent en nous demandant un stage en français. Donc on analyse pour voir s'il s'agit juste d'une remise à niveau ou si réellement il faut faire un apprentissage soit du français et ou des savoirs de base. On leur précise également qu'ils ont la possibilité d'apprendre le français en lien avec leur métier d'origine et du coup qu'ils seront plus employables sur le marché guyanais. Avant, je travaille à Marine Pêcheur. Maintenant, je suis inscrit chez Pôle emploi pour chercher le travail. Pôle emploi m'a envoyé chez Alain Français pour prendre les cours de français. Je veux apprendre le français parce que ici, c'est la France. Je vais trouver le travail, je vais lire et écrire le français. Les formations système d'Alain Français m'aident beaucoup pour parler français, écrire français, comprendre français. Ça va m'aider pour chercher du travail. Australien. Non, AUS. Dans le cadre du CICEV, les apprenants qui arrivent ici à l'Alliance française ont 4 jours de formation. 2 jours en module et 2 jours en atelier. Alors, dans le cadre des ateliers, ces activités sont proposées pour répondre aux besoins des apprenants. C'est-à-dire que les apprenants qui viennent, par exemple, du Pôle emploi, ont besoin de rédiger une lettre de motivation, un CV, ou encore de comprendre un entretien d'embauche. Par exemple, il y a énormément de compréhension, d'oral et de réponses écrites à la fin. Et donc, ils pratiquent ça régulièrement jusqu'à atteindre un niveau qui puisse être satisfaisant pour pouvoir un jour prétendre à un emploi. C'est australien. Australien. Il est australien. Toujours dans le cadre du CICEP, nous proposons aux apprenants de valider leur formation à travers un diplôme reconnu par l'État. Ce diplôme est une première étape vers la concrétisation de leur projet professionnel et social. Oui. Là, on demande d'écrire. Écrivez ces nombres et ces chiffres en lettres. Les formations de base sont utiles aux demandeurs d'emploi, aussi bien dans leur vie quotidienne, familiale, que pour leur recherche d'emploi. Le Préfob les prépare aussi, par exemple, au permis de conduire. Donc, ça va augmenter leur employabilité sur le marché du travail, puisque la mobilité est vraiment un atout supplémentaire. Et concernant Pôle emploi, les formations de base sont utiles effectivement pour qu'ils puissent maîtriser les techniques de recherche d'emploi, mais par la suite suivre une formation qualifiante.